Bienvenue à mon premier vidéo Minecraft que je vais faire à vie. Je joue à Minecraft depuis au moins. En fait, c'est depuis février 2012. Ça fait 4 ans et demi. Ça va faire. Non, ça fait pas 4 ans et demi. Ça fait 2 ans et demi. Ça va faire bientôt 3 ans en février. Et j'ai toujours joué en single player. Et depuis un mois et demi environ, je me suis acheté un Realm. Et mais ça va faire office d'une autre vidéo plus tard. Là, maintenant, c'est plutôt une vidéo test. J'essaye les produits. J'ai acheté Fraps. J'ai downloadé Windows Movie Maker, Audacity. Alors, c'est pour ça que j'essaye une vidéo. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter un seed que j'aimais bien. Donc, on va aller dans Create New World. On va appeler vie. Vidéo World, on va marquer Vidéo One et on va mettre en créatif pour la présentation. Et le seed c'est Winter is coming. Voilà, Create New World. Et vous allez voir que c'est un monde assez intéressant pour un single player Survival World ou pour tout autre. Pour un realm, pour un serveur, peu importe. Alors là, on va. Oh, mais qu'est-ce qu'on entend derrière? Un village! On spawn directement à côté d'un village. Il y a des carottes et du blé. Donc, il y a des villageois. Donc, si par exemple vous commencez en survie, vous pouvez aller ici. Il y a déjà une caverne. Ben, vous avez un abri là. Mais si vous allez avoir besoin de charbon, et il y en a ici. Et vous avez une petite caverne pour commencer à miner. Bon. Ici, vous avez du bois là. Et vous avez du sable, des cactus pour des moutons, source de viande maintenant, avec 1,8. Et vous avez la savane ici. Mais ce qu'il y a d'intéressant aussi sur cette seed, c'est qu'il y a une mesa. La mesa se trouve en fait à votre est. Donc, c'est là, le nord est là. Ça se trouve environ au nord-ouest, par là. Et c'est ça, il va y avoir une mesa. Et si vous êtes un constructeur, comme moi, une mesa, c'est terriblement avantageux. Parce que on peut avoir de l'argile durcie comme on en veut. Puis l'argile durcie. C'est assez pratique pour les constructions. Donc, on devrait arriver au Mesa bientôt. C'était dans le moins 600 environ. Voyons voir. Oups, c'est pas vraiment là. Négative Z. Négative, négative. Ouais, c'est ça. Je dois aller par là-bas. Donc, c'est pour les Mesa. C'est assez. Hey, un autre village! Wow, un village directement là, des vaches. Donc, si par exemple tous les villageois se font manger par les zombies, au début, ben, vous avez un autre village ici. Je sais qu'il y en a qui vont faire des espèces de production de golems de fer industriels avec les villages. Pour tous ceux qui sont des grands amateurs de redstone, comme diraient les Français, la redstone. Ouais, je suis un amateur de Redstone. Et c'est comme le. Alors prenez votre mine carte. C'est mine carte. Mine carte. C'est pas un mine carte. Ok? Bon. Alors, c'est ça. Là, on s'en va par là-bas, un petit voyage. Bon, pendant qu'on voyage vers la Mesa, je vais peut-être parler un peu de mon expérience avec Minecraft. Alors, comme je disais, j'ai découvert Minecraft en 2012, février 2012. C'était la version 1. 1.0. Ça venait juste de. La version officielle venait juste de sortir. Et c'était déjà très populaire. Et là, la Mesa, attendez, ici, le chèque était très proche du marais. 462. Je sais que la Mesa était proche du marais, étrangement. Ouais, là, puisque j'enregistre en même temps, évidemment, le monde. Ah, et voilà! Voilà la Mesa! Alors, la Mesa est très proche, comme je vous disais. Regardez toute l'argile là. Puis, maintenant avec 1,8, on peut faire du sandstone
avec le Red Sand, le sable rouge, du grès rouge. Amazing, amazing! Et puis, vous avez genre la tonne, les tonnes et les tonnes et les tonnes d'argile que vous pouvez teindre. D'ailleurs, vous en avez déjà teint. Alors, c'est ça, un peu comme je disais, j'ai commencé à jouer à Minecraft en 2012 et j'ai toujours joué en single player. Et ce qui est plaisant avec Minecraft, c'est de partager ses constructions. Alors, c'est un peu ça que je veux faire. C'est pour ça que je me suis mis à vouloir apprendre comment enregistrer des vidéos pour pouvoir partager. Mais moi, je construis beaucoup, donc c'est mes constructions. Alors, ça va être ça pour aujourd'hui. Première vidéo à vie. On va aller l'éditer. On va voir qu'est-ce que ça donne. Merci et au revoir.